enregistrement que je vais mettre là. Hop. Lancer. Commencer le streaming. Voilà. Hop. Voilà. Ah, bonjour à ceux qui ont joué nos lives. Ah, bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonjour, ah, bonsoir. Ah, vous allez bien? Ah, pour l'instant, j'ai pas le chat sur les yeux. Je le vois, vous en faites pas. Je vois, quoi. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire ce soir. S'il y a toute la famille Castellanos, enfin, une partie de la famille Castellanos, on va essayer de faire de fêter le La retour de fête. Stefano, qui est avec moi. Et bonjour à la caméra. On te l'a déjà dit. Bonsoir. Voilà, on va essayer de se fêter son retour au bar, entre Castellanos. Si on a assez, Oh, normalement c'est assez. on dit bien entre Castellanos, ce qui va être difficile. Mais ça va être entre, t'inquiète pas. Les autres, ils viendront pas. Ça sera. Ouais, mais on sait jamais. Non, mais réunion de famille, mais voilà. Voilà. Ils comprennent pas ça, mais ils comprennent pas ça. Du coup, donc je coupe ça. Hein. Ça, je coupe. Ça, je coupe. Ça aussi, je coupe. Ça, je coupe. Ça, je coupe. Hein. Du coup, je me moute pour l'immersion. Et puis, on se retrouve dans l'RP. Hop. Je vais regarder si tout est bien mis. Pour le streaming, c'est bon. Pour l'enregistrement in-game, c'est bon. Quink, 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 alors, comment ça va vous tous? Est-ce que Jin vous avait montré? Est-ce que vous avez aimé la vidéo qui présente le personnage de Jin aussi? Non, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez trouvé que j'ai été. Que la vidéo était bien foutue et tout? Dites-moi tout. Dites-moi tout par rapport à cette vidéo. Je sais pas ce qu'on va faire. Bah, comme j'ai dit, on sera plus tard en ce que Castellano, c'est pas quand il y aura. Sébastien, Antonio et peut-être Poquito ou José Castellanos. Peut-être qu'on fêtera entre Castellanos. Peut-être qu'on utilisera cela pour. Bah, qu'on utilisera ce moment-là pour fêter le retour de Stéphane en ville. Sinon, je sais pas trop. Bon, en tout cas, déjà, on va aller se changer. Parce que la tenue là, elle me convient pas. On va se mettre à enlever des contrats. Vêtements. Non. Voilà. Au pire, ouais, voilà, on va s'habiller en redneck, écoute, pour aujourd'hui. Ça sera pas mal. Hop. Ça sera pas mal, ça sera pas mal pour commencer, je pense. Est-ce que j'ai reçu des messages en tout temps? Non. Jin n'a pas reçu de message. Il n'a pas reçu de message. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ville? Déjà qui se voit au niveau de la map. Je sais pas si le mapping au gouvernement a été fait. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir, faudrait que j'aille voir. Avec coup, il y a des. Plusieurs voitures que j'utilise jamais. Non, 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 j'ai pas envie d'utiliser celle-ci. Non, celle-ci c'est pour des occasions particulières que j'utilise. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre en voiture? Parce que j'ai pas envie d'utiliser tout le temps la même voiture, vous voyez. Ah, elle attend pas. Ouais, elle attend pas aussi. Ah. Là ça me parle un peu plus ce style là. Ah, ça me parle un peu plus, ah, ça me parle. Ah, quel est ça? Je sais qu'il y avait un mapping de prévu au gouvernement. Mais je sais qu'il était aussi en travail, donc qu'il n'était pas terminé, donc justement.
Faut voir comme ça s'il a été terminé, s'il a été implanté. Déjà, je pense que ça a été rentré. Oula, j'avais dit que là, j'ai peut-être pas la portable. Des véhicules. We were under the gold standard. Bon, puis on va mettre son radio. On va mettre son radio, c'est pas très grave. Parce que j'ai des gaz. Des gaz. On va enlever le marqueur au cas où si on envoie vos invités. Sur RP de la... C'est déjà pas mal. On va attendre un peu quand même, tu vois. On a assez attendu. Ok putain, mais c'est qui a mis cette putain de carte fabricée? C'est quoi ce bordel? Ok, heureusement que j'ai reçu le concessionnaire et que je peux les envoyer à la fourrière. Voilà. Attends, j'ouvre. Je vais ouvrir. Hop, voilà, c'est ouvert. Ah bah c'est bon, comment ça va? Ah bah ça va bien, et vous donc les gars, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Ça va-t-il bien?
Ah bah ça va, il y en a, il était en train de caresser ma poutre de Mamako, c'est pour ça que vous êtes tapé dans ton mur, de te de bien vouloir m'excuser. Ah t'inquiète, attends, je vais juste augmenter le son de mes écouteurs, 2 secondes. Ouais, parce que j'ai oublié d'augmenter le son, ouais, comme dans Gucci. Forcément, j'entends pas très bien. Voilà, là, ça serait mieux, vas-y. Ah, dis-moi, tu as le temps, ta minute? Bah oui, bien sûr, je vais d'arriver, il y a encore rien fait. Ah, pardon, ton catalogue, il est toujours là-bas au bout, au niveau de ton canapé? Ouais, ouais, toujours, ou sinon, il est comme tout ça dans l'annonce concept. Comme toujours. Je sais, bah de même au niveau des canapés, t'arrives de tout. Ouais, vas-y, t'inquiète, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. T'arrives. À toi, mon CLL, qu'est-ce que tu me racontes, mon frangin? Mackay? Il a tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allô? Allô? Et pourquoi je m'entends à travers toi? T'essayes de m'imiter, c'est ça? C'est un complot. C'est un complot. Ah, Mackay, il a un petit problème, il y a un problème. On va s'occuper de son problème de clone. Hop. Prends ça, le clone! Putain! Vouloir juste pire l'identité d'un ami. Putain, je vais t'apprendre, moi. Cugno. Putain. C'est quoi ce boulder? Putain, le boulder de merde. Putain. Une coulée de merde. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ce boulder? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un impact. Un impact. C'est pas un impact de balle, quelqu'un a enfoncé dedans, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, t'inquiète pas, je vais te payer toutes les réparations. Bon, non, mais je me demandais ce qui s'était passé en fait. Je vous ai dit que c'était pas un impact de balle, mais non, on dirait que quelqu'un a enfoncé dedans. C'est pour ça. Ah ouais, c'est ma voiture. Ah d'accord, bon, d'accord. Non, mais t'inquiète. C'est pour ça que je t'ai un peu de visage de mes frères qui m'ont lâché. C'est pour ah, ça que d'accord. Une nouvelle voiture. Ouais, t'inquiète pas, ça sera réparé par l'État de toute façon, t'inquiète pas. Bon, Donald, ça serait possible que tu me mettes une Glendale? Une Glendale, tout beau? Ah ouais, t'es topé. Ah ouais, attends, je vais juste regarder le prix de la Glendale, attention, mon application mobile. Bon, Donald. Comme un outil, j'oublie d'ouvrir mon fichier avec les prix. La Glendale. La Glendale, elle est à 25 000, ça te va? 35 000, ouais, ça peut pas. Non, 25 000, j'ai dit. Ouais, 35 000. Ok, j'ai compris. T'as pas forcé, ça sert à rien. Elle est en quoi, la Glendale? Et non, c'est... C'est un petit plaisir personnel ou c'est pour ta campagne? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pourquoi t'as assommé Cyril? Qu'est-ce qu'il a demandé? Pourquoi il a... Je l'ai pas assommé, c'est parce qu'il avait un petit... Ah d'accord, moi j'ai dû avoir une hallucination alors, quand j'ai vu ça. Non, c'est... Ouais, c'est un petit souci psychologique qu'il a eu. Ah, c'est le space cake de que Chico il m'a donné hier soir, je pense. Ça doit être à cause de ça. Ah, je pense que ça doit être beaucoup. Ah bah oui. Et du coup, je te disais, c'est pour ton plaisir personnel ou c'est pour ta campagne, ça veut être cool? C'est pour mon plaisir personnel. Ah d'accord, ok. Parce que vu que le jour tu me demandais un véhicule pour ta campagne, c'est pour ça. Ouais, bah non, pas ça. Hein. Ouais, je sais pas, c'est un petit charme, écoute, c'est un petit charme. Ouais, mais pas pour un présidentiel comme... Ah, ça fait un président de l'ancien temps, quoi. Ah ouais, des années 60. Ouais, voilà. Quand il savait faire quelque chose, j'ai envie de te dire.
pas comme les micros, les trucs comme ça, les Hollandais, les Hollandais, je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà. Ah, je sais plus non plus, ils sont tellement bizarres. Ou ceux qui se tapent les vieilles mamies qui datent de l'âge de pierre ou de l'Égypte antique. Ah, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah non, parce que t'as l'impression qu'elle est embaumée la machine, quoi, putain. Ils ont mis du jeu de serpent par le dessous pour la maintenir à peu près dans le mal. Ou sinon, derrière ça chez vous, tu sais, c'est des épingles qu'ils ont accroché derrière l'air pour pas que ça se voit. Maquet, cousin. Ah, Maquet, enfin, tu m'entends, bah putain. Tout à l'heure, il y avait un problème, il y avait la pression, tu m'imitais. Je parlais, puis tu m'imitais, c'était très perturbant. Ouais, c'est parce que j'ai dû activer mon mixage stéréo dans ma tête. Et ah, d'accord. Et ça a pas fonctionné. Non, mais je comprends, t'inquiète, je comprends. Sinon, qu'est-ce que vous me racontez de beau tous les deux? Ah bah t'avais consommé le véhicule là comme mon cousin Babaka, tu vois. Ah d'accord. Un petit alors ben le même véhicule est en train de le faire debout de le même véhicule là, c'est pas possible. Il va être marron en dessous et puis en dessous. Comme à l'ancienne. De pas voir, on va le repérer de là. Ah bah ouais, comme à l'ancienne. D'ailleurs, Thierry, tu pourrais me le faire avant que je quitte la ville, s'il te plaît. Ah bah ouais, de toute façon... Ça va être pareil, hein. Ah bah ouais, comme ça, si on peut faire mes véhicules, on est tranquille, et puis après, moi personnellement... Ouais, comme ça, t'as la souris, t'es tranquille, tu peux le trouver. Je balle là-bas dans les ailes, et puis hop... Mais avoue surtout que tu vas aller voir une potée ton madame, c'est ça, hein, avoue. Avoue. Ah bah ouais. Voilà, je le savais, encore une fois. C'est encore la poutre de Mamako qui parle. Ah bah ouais, bah c'est normal, hein, t'es au bas. Ah bah oui. Mais il y a des pas, mais dans ce cas-là, faut plus rien prévenir plutôt que de dire que tu vas regarder ses os là. Au moins, on sait ce que tu fous. Et on s'inquiète pas pour toi. Oh bah, t'as pas besoin de t'inquiéter pas pour ça. Personnellement, tout va bien de ce côté-là. Ah bah oui, je sais jamais, mais bon, on sait jamais, tu vois. On sait jamais si y a le ou c'est la benne là-dedans, il a ton concurrent qui crée, je sais pas, hein, qui met un contrat sur ta tête ou une connerie comme ça. On sait jamais. Il peut mettre un contrat sur ma tête, tout contrat sur ma tête reviendra sous sa tête. Donc il arrivera à la main, tout fait le. Putain, ça va être une partie de tennis, on comptera sur vos têtes. Ah bah, t'inquiète pas, c'est sa tête qui va passer avant la mienne. Ah bah, c'est celui qui mettra la plus grosse billet, je pense. Ah, moi je vais lui claquer la plus grosse poutre de Mamako, tu vas voir, il va lâcher l'affaire. Ah bah oui, là d'un coup, oui, bien sûr. Là, dans ce cas-là, oui. Bon, par contre, mon possédé, c'est pas quand tu m'as fêté. Hein, ouais, non, mais t'inquiète, vas-y, excuse, j'avais oublié, excuse-moi. Pardonne. De toute façon, fallait que j'aille me changer. Attends, bah faut que j'aille roser mon véhicule. Ouais, vas-y. Moi, je vais aller me changer de toute façon, puisque je suis habillé en redneck là, j'ai l'impression. Et mon tenue de chasse, ça me plaît pas. Parce qu'en vrai, je me suis habillé comme ça, mais c'est parce que je savais vraiment pas comment m'habiller. Vas-y, passe. Je te souhaite une bonne journée, mon petit. Ah bah, bonne soirée à toi et puis profite bien de la minette. Bah, c'est bien, Beko. Bene, Beko, à toi. Oh là, ce petit virage maîtrisé, quoi. Ah, la Ginny est fière de moi. Marqué, je suis fier de moi, là. C'était moins effet que ce petit virage. J'étais grave coulé. C'était juste magnifique, putain. Là. Désolé, je suis en train de répondre à un message en même temps. Voilà. Une notification Twitch en plus de ça. Hop, alors, un magasin de.
Non, je voulais pas faire ça, je voulais carrément changer de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut marquer, qu'est-ce qu'on peut bien foutre? Déjà le t-shirt, parce que, déjà, bon, torse. Et comment est-ce qu'on pourrait pas se trouver un petit truc sympa? Brûlement. Pas de couleur différente à ce genre. Non plus. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Non, non, ça fait trop bizarre. Tout. Faut que je trouve la bonne couleur qui va avec. Déjà, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs quoi? C'est un problème. Blanc, oh ouais, blanc, j'ai... Faut trouver le t-shirt qui va bien avec. Le noir pour rappeler, ouais, ça pourrait le faire, mais avec le noir. Ouais, non. Y'a pas la texture. Ah. Il y a peut-être moyen de faire un truc, il y a peut-être moyen de faire un truc. Déjà, on va enlever la casquette aussi. Parce que je pense pas qu'on va trouver quelque chose qui nous intéresse vraiment dans les casques. Qui pourrait bien aller avec l'eau. Non, à mon avis, il y a rien qui fait. Les lunettes, rien à changer. Les chaussures. Ouais, les chaussures, on peut pas changer. Ouais, là, hop. Bon, faut ouvrir. Voilà. Ah merde, les bras sont buggés du coup. Ça va venir. Oui, au collège, mais Stefano est de retour en Vela. Voilà. Ah, et il y aurait aussi besoin que tu me prépares quelques grands clous de côté. T'en restes des pecs. Voilà. Ah.
pour aller chercher Stefano. On va sortir une voiture quand même. Je pense qu'on va sortir notre petite Phoenixia. Sortir quelque chose d'autre. Ouais. Voilà. La radio, c'est quoi que je te prends? Absolument, tu le mets ta mère. Toi, tu m'attends quelque chose de bon, tu sens bien. Ok, frangin, tout frangin. Salut la famille. Frangin, tout le monde en face de retour. Ah, okay, oh putain, il y a du poulet. Mais t'étais passé où, putain? T'étais passé où? Ça donnait le jouet. Je te l'ai dit, j'étais parti en vacances à... Mais tu me l'avais pas dit, espèce de brouté, tu me l'avais pas dit, oh, tu m'en mets manqué, reviens. Attends, il est parti, attends, tu veux pas croire, il est parti en vacances à Maokiri, mais il a pas été visité à Aokigiri. Oh, Maké, viens ici, frangin, tu m'en mets manqué, viens ici, oh oui. Maké, tu m'en mets manqué. Maké, toi, magnifique tatouage dans le dos, là. Ouais, non, mais vas-y, lâche-moi, là, c'est bon. Tu m'en mets manqué. Tu m'en mets manqué, qu'est-ce que... Alors... T'es toujours aussi collant, toi. Maké, mais je t'aime, espèce de brutine. Putain. Aïe. Ça, tu l'as pas volé. Ça, c'est pour pas avoir le plein. Ça y est, ils vont recommencer, ces deux-là. Et je vais être obligé de calmer. Après mon revenu, je me suis déjà frappé par mon frère. Parce que tu m'avais l'air d'espèce de beauté. Mais dis-moi, pourquoi tant de moumoute au manteau? Je sais pas, j'avais envie de m'habiller classé aujourd'hui. Il y avait envie. Ah, mais non, mais toi, pas mais pourquoi tu le tasses? Mais pourquoi tu le tasses? Brick! Ah, on va. Ok. Bon bah, je crois qu'il faut qu'il appelle le MS là. On va avoir un petit problème. On va pas commencer, je suis venu pour une petite réparation. Je vais lever les bras pour te montrer ma bonne foi, mais je risque d'avoir des petits spasmes. Putain, ça y est, comment... C'est possible. Okay. C'est... Ah oui, oula. Attends, okay. Tu bouges pas, tu continues de respirer, je reviens. Je sais pas si tu peux rentrer. J'ai eu un petit problème. Putain, mais Steven. Putain, mon vieux, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu m'as foutu le coup de si proche, quoi? Tu savais que ça allait m'assommer, putain. Hop. Normalement, c'est bon. Voilà. Ah bah bizarrement ça va mieux. J'avais dû choper une mauvaise grippe. Non mais j'ai dû choper une mauvaise grippe, cherche pas. Ah bah il était prié le dieu de... T'as été prié l'Arthur Gilzou, oh putain, je t'aime, mais c'est quoi, je te fasse un câlin. Oh putain. Oh viens ici, faut que je te fasse un câlin. Oh viens ici, ben quoi. Ah bah
pas de soucis. Attention, regarde l'espace. Ah oui, il y a toujours l'espace. Ok, par contre, il faut que j'aille au Kumiko, moi. Pourquoi donc? Bah, pour avoir une autorisation pour lui avec Mathieu en ville, là. Viens voir. What, c'est quoi ce bébé? Ok, il me faut une autorisation parce qu'elle n'est pas très habilitée à rouler en ville, techniquement. C'est normal que j'aie Il faut qu'il y aille demander une autorisation. C'est normal que j'aie